belle chanson. Stéphane, encore une chanson. Stéphane, tu pourrais nous faire celle-là? Par BG. Volontiers. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: «Пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Tu veux bien jouer encore un peu, Stéphane?
Salut, Artyom. Salut, l'ami. Comme tu le vois, on essaie de s'occuper correctement des armes. Elles ont souffert dans le désert. Je déteste le sable, je dois dire. Ça râpe, ça coince, ça rentre partout, c'est vraiment insupportable. Alors, dès qu'on est sorti de cet enfer, je me suis mis à tout nettoyer, et j'ai fait une bonne révision. Et Duke, serviable comme il est, se portait volontaire pour m'aider. Ouais, volontaire, tu parles. T'es qu'un esclavagiste, comme le baron. T'as qu'à pas jouer dans le sable avec un funestus. C'est pas une calache. J'ai même pas tiré avec, après. Encore heureux. Je suis même pas sûr qu'il aurait pu tirer. Alors t'as eu beaucoup de chance, ce jeune homme. Ouais. C'est vraiment un mystère pour moi que ces bandits arrivent à garder des armes en état de marche dans ce désert. En tout cas, leurs armuriers sont doués, aucun doute. L'arme que t'as rapportée, c'est du fait maison. Et du bon boulot. Elle était bien entretenue, en plus. Ça fait chaud au cœur. Vraiment. Je me suis pas trop mal débrouillé non plus, il me semble. J'ai cru comprendre que le Ticard avait fait des merveilles entre tes mains avec les nouvelles munitions. Ça oui. Artyom nous a fait un joli barbecue. Ouais. En tout cas, t'as pas à t'en faire pour les armes, Artyom. Elles seront impeccables d'ici notre prochain arrêt. Ce sable, c'est quelque chose. Encore un coup, allez. C'est presque ce sable, c'est quelque chose. Encore un coup, allez. Eh ben, un bras, en tout cas, Anna nous a fait une belle peur. Mais t'en fais pas. C'est vrai que ça ressemble à la tuberculose, mais Katia est un bon médecin. Elle la remettra sur pied en un rien de temps. Et puis on a enfin quelque chose de bien qui nous attend. Une rivière, une forêt, et même un barrage hydroélectrique. Ça a l'air intéressant, je n'ai encore jamais réparé. Alors t'inquiète pas, tout va bien se passer, Artyom. Très bientôt, on va pouvoir mener une vie normale dans cette vallée. Anna et toi, vous comptez avoir des enfants? Il serait temps, Bratouka. À Moscou, c'était sûrement une mauvaise idée, entre les radiations et le reste. Mais la vallée, c'est l'endroit rêvé. Stepan et Katia vont sûrement s'y mettre aussi, maintenant qu'ils sont mariés. Il va bien falloir peupler cette colonie. On va en bâtir une belle, tu verras. On a des gens doués, et plus important encore, des gens brillants. Et on en attirera sûrement d'autres. Et si quelques connards décident de s'incruster, on a aussi de quoi leur faire plier bagages vite fait. Bien sûr, il va falloir étudier cette vallée d'abord. Le colonel a absolument raison. Mais Alyosha et toi allez vous en charger sans la moindre difficulté. Ah, cette fichue montagne. J'ai tout de suite eu un mauvais pressentiment. J'en ai même parlé au colonel. Mais il avait tellement hâte de rencontrer le ministre qu'il s'en fichait. Ça lui ressemble pas tellement, hein. Mais il fallait s'y attendre. Tout le monde a un point sensible. Quand on appuie dessus, on oublie tout le reste. Tu te souviens comment il a foncé pour lutter contre le baron? Ah, c'est sûr que c'était un bel enfoiré, celui-là. Traiter les gens comme ça, pour rien. Aussi affreux que le gang d'Astrakhan. Au moins, il s'est fait abattre comme un chien. Bien fait pour lui. Ce serait bien d'éliminer tous ces sous-fifres. Mais je suis sûr que Gyul s'en occupera très bien. C'est pas le genre de fille qui finit pas ce qu'elle a commencé. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas rôti dans cette fournaise pour rien. On a aussi aidé des gens, en plus de récupérer ses cartes. Enfin... Je crois que je vais en finir avec ton trophée et aller préparer la drésine pour ta balade de reconnaissance avec Alyosha. À propos de lui, je crois qu'il tenait absolument à t'accompagner parce qu'il avait aussi un pressentiment.
dans son domaine de prédilection. Tiens cet obsédé à l'œil avant qu'il ne se retrouve avec la tête coincée là où il faudrait pas. D'accord ? Je dois bien le reconnaître, Bratouka. Ramener cette beauté, c'était une idée de génie. Je sens qu'elle va nous être utile. Ah, je n'échangerai ma draisine pour rien au monde, c'est sûr. Mais cette petite plat est vraiment fantastique. Peu importe à quoi elle ressemble, son moteur a été bien réglé et entretenu. Elle a un châssis et des suspensions renforcées. Et même les freins sont en parfait état. Un mécano doué et passionné s'en est occupé. Ça se voit, et ça me plaît. Elle me rappelle vraiment ma mémère. Celle que je conduisais quand j'ai quitté Kadoui. Un camion qui pouvait trimballer une tonne et demie. Il datait de la guerre, et rouillait dans une casse depuis au moins 40 ans. Qui tournait au bois de chauffage, comme l'Aurora. Bien sûr, c'était plus une relique qu'un camion. La cabine était pourrie. Le contreplaqué, ça vieillit mal. La plateforme avait disparu. Mais le moteur, la boîte de vitesse et le gazogène étaient encore là. Le châssis tenait le coup. Ouais, ça a demandé du boulot. Un mois entier, sans pause. Et à la fin, il tournait. Ensuite, j'ai posé sur le châssis la même carrosserie de minibus que celle-là. Et au volant de ce Frankenbus, je suis allé jusqu'à Astrakhan. Tu te rends compte ? Ce truc n'avait pas plus de 30 chevaux à sa sortie d'usine. Et tu parles d'une galère. Non seulement il faut couper du bois, mais il faut faire des bûchettes bien calibrées. Sinon, ça tourne pas bien. Ça demande beaucoup d'expérience. Comme pour faire chauffer un sauna correctement. Donc, je passais une demi-journée à me préparer. Et quelques heures à conduire. Ouais. Je suis tombé amoureux de cette bête-là. Pas étonnant, après tous ces efforts. Mais il a quand même fallu que je la laisse à un enfoiré d'Astrakhan. Sinon, je me serais fait buter là-bas. Et encore, avec de la chance. Ouais. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. En tout cas, je vais bien m'occuper de cette beauté, en souvenir du bon vieux temps. Elle remportera tous les salons où on la présentera. Elle est pas magnifique. Ou comme une mariée le jour de ses noces. Oh, parfaite. Enfin. Voilà, Bratouka. Voilà. C'est encore ça. Encore un petit peu. Eh bien, c'est reparti. Artyom, ça fait un moment que je voulais t'en parler, mais j'avais pas eu l'occasion. Anna m'a demandé si j'avais voulu rester là-bas. Bien sûr que oui, c'était mon peuple, même si je n'ai pas trouvé de membres de ma famille. Et puis, il reste encore des tas de bandits à tuer là-bas. Mais le baron est mort. Maintenant, Gyul peut mener les autres. Ils savent que ces animaux peuvent être battus. Et qu'ils doivent être battus. Alors maintenant, il faut qu'ils se battent pour leur liberté, et qu'ils la gagnent de leurs propres mains. Pour ne plus jamais l'abandonner, quoi qu'il en coûte. Mais le coup de pouce initial venait de nous, de toi. Je l'oublierai pas, Artyom. Et je te le revaudrai un jour, j'espère. Gebrakmet, mon frère.